bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing, le numéro 23. Si je me trompe pas, j'en ai sauté quelques-uns, je vais les mettre après l'unboxing de la Collector's Corp Spider-Man. C'est un peu pour les giveaways, pour pas trop les retarder. Je sais que bientôt on va me shipper, m'envoyer la Legend of Collectors. Et c'est avec celle-là qu'on clôture donc les inscriptions. Je veux quand même laisser au moins une semaine, au moins une dizaine de jours entre les deux pour pouvoir que les gens puissent s'inscrire au giveaway que je vous rappelle ce mois-ci. Le thème est Flesh Eaters, mangeurs de chair humaine. Faut vraiment aller sur le groupe Romero Box sur Facebook pour suivre les étapes et les instructions pour pouvoir s'inscrire et ainsi courir la chance de gagner cette boîte avec l'article bonus qui atteint les 100$ si je me trompe pas. C'est sur le groupe qu'il faut aller vraiment, tous les détails sont là-dessus. Mais aujourd'hui nous sommes là pour Collector's Corp de Marvel, le thème Spider-Man. C'est merveilleux. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ça serait l'une des premières boîtes qui vient peinte. Je sais qu'il y avait du monde qui s'amusait à les peindre. Ben ici, ils ont recoupé l'herbe sous le pied, elle est déjà coloriée. Donc oui, Marvel Collector's Group du mois d'août, c'est Spider-Man, je m'attends à énormément de trucs de lui. Peu importe la pop qui se retrouve dans la boîte, je vais être content, j'ai aucune pop de Spider-Man, j'ai été à ça d'en acheter plusieurs, mais j'ai jamais trouvé vraiment celle qui m'accrocherait. Je vais prendre celle qu'on me donne ici, voilà, comblé. Je vous rappelle, j'essaie de me limiter dans mes pops à un pop par personnage, par série, donc dans Marvel, la série Marvel, je veux avoir seulement un pop de Spider-Man. Je fais quelques exceptions pour Iron Man, Batman, quelques autres personnages, mais j'essaie d'être rigoureux pour la plupart, donc voilà. Commençons, ne tardons plus. Elle a été un peu endommagée, la boîte, par la poste. J'espère seulement que les articles à l'intérieur n'ont pas été endommagés, surtout pas la pop. On va voir. Voilà. Donc, on y va. On va vous faire découvrir le pins et le patch. Waouh, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah, ok. Voilà. Bah, le patch est génial. Comme d'habitude, sur le côté en grand, voilà, c'est Spider-Man avec des petites araignées sur chaque côté. C'est beau, j'aime ça. Et le pins. Collector's Corp avec l'araignée que Spider-Man a sur sa poitrine, oui. Bon, c'est bien, j'aime bien ça, je préfère ça comme visage comme celui de Superman dans Legend of Collectors, Batman vs Superman, vous voyez juste son visage. Si ça n'avait pas été Superman ou le reste, je me souviens même plus, juste le visage, ça ne me disait pas c'était qui. J'aimerais mieux juste avoir le symbole du super-héros. Donc voilà, on va ouvrir, je vous dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, de la publicité pour le prochain, c'est vrai, en novembre, ça devrait être le thème Doctor Strange. J'ai aucune idée vraiment ce qu'ils vont faire pour la pop. On a déjà la pop classique de Doctor Strange, on a déjà celle tirée du film, on en a une tirée du film exclusif au Comic-Con de San Diego, avec l'aura jaune sur sa main. Il y a même une où il est complètement en jaune translucide, exclusif à Target. Donc je me demande vraiment ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir ça. Je suis abonné à l'année, donc moi je la prends peu importe. On voit les comics et l'intérieur. Je vais pas regarder pour pas trop dévoiler.
le comic The Amazing Spider-Man. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Oui, 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 oui. Parfait, le comic, ça. Puis une grosse boîte. Oh non. Pas de t-shirt, mais une casquette. Pas de t-shirt, mais une casquette. Voilà. Donc, ouais, c'est dommage. Bof, moi les casquettes, oui, j'en porte. Par contre, je me limite vraiment aux marques Puma et Lacoste. C'est très, très rare que je m'éloigne de ça. Donc, on en avait déjà une, vous ne l'avez pas encore vu, l'unboxing va passer après celui-ci. Peut-être pas tout de suite après. Attendez, oui, sûrement tout de suite après. C'est. Year One, on nous avait envoyé une casquette un peu similaire. Apparemment, c'est leur nouveau produit. Des Pop Cap. Des Pop Top. Je ne sais plus. C'était Groot. Je n'avais pas été très, très emballé. Je ne le suis pas plus avec Spider-Man. Je sais que sur le groupe de Funko Pop, vente, échange, achat, discussion. Discussion, échange, vente, Montréal, Québec, France, sur Facebook. Il y avait du monde qui les cherchait, ils étaient prêts à échanger des pop pour ça. Donc on verra, on va tenter ce terrain-là avant. Donc voilà, ça c'est pour la casquette. Ça, j'ai une petite grosse boîte. Une petite. Ah, ok, ça c'est en train de fabrication. J'ai quelques fabrications déjà. Donc. Le premier que je m'étais laissé séduire, ça avait été Raphaël des Tortues Ninja. Ensuite, j'ai eu Iron Man, évidemment. Et ensuite, j'ai acheté Stay Puft Marshmallow Man des Ghostbusters, la grande figurine. Donc, et là, maintenant, ben, je reçois Spider-Man. On dirait comme du simili-cuir, on dirait du plastique seulement, du vinyle qui ont collé dessus. Mais ça lui donne une petite impression de cuir. Donc oui, je suis très content de voir ça. Oui. Oui, oui, oui. Exclusif à Collector's Corp de Marvel. Donc oui, je suis très content. Voilà, ça n'aurait pas été vraiment un fabrication que je serais allé vers. Mais recevoir dans une boîte, absolument, je suis preneur. Je suis très content même. Donc voilà. On dirait qu'il y a juste un autre petit, j'arrive pas à le croire. Oui, juste le pop. Donc une boîte assez mince quand même. Pas très très garnie. Et c'est un pop de Spider-Man. La boîte a été quand même très malmenée. Désolé. La boîte a quand même été très très mal menée. Je sais que Funko ne remplace plus les boîtes, c'est très dommage. Parce que ma boîte a vraiment été. Ouais, bon. Je me dis toujours que je vais être un collectionneur hors boîte, donc c'est pas un souci, mais c'est dommage quand même. Mais bon, c'est ça pour Spider-Man. J'aime bien la pose qu'il a. Oui, donc bleu et rouge avec le, oui, oui, une petite pause action, donc, oui, très content. De manière générale, je trouve la boîte dégarnie. On a eu le patch et le pins, je le compte pas comme article, vu que on sait même plus quoi en faire avec tellement de patchs et de pins. Le comic, c'est un minimum dans une boîte, je considère, surtout une boîte Marvel ou DC. Donc, c'est un minimum de la retrouver là. Donc, en réalité, on nous a envoyé 3 articles. C'est comme si on nous aurait envoyé un t-shirt, un pop et un goodies. Je suis content des 2 items, je suis vraiment très très content. Par contre, vraiment,
J'aurais bien aimé au moins un t-shirt en plus, un Dorbs ou un Mopis en plus. Mais bon. Sinon, ben, je suis très content quand même de les avoir eus. Une boîte qui me laisse sur ma faim, mais pas loin d'être assasié. Il manquait un petit quelque chose, un article de plus, puis j'aurais été comblé. Donc, oui, moi, personnellement, mon article préféré, sûrement le pop, mais je veux savoir, vous, quel est l'article que vous avez plus préféré dans la boîte? Je vous rappelle qu'on a eu ça, un comic, un fabrication, un pop et la casquette. Je veux le savoir, dites-moi-le dans les commentaires, je veux le lire et on verra si c'est juste moi, mais je veux aussi savoir, est-ce que vous pensez qu'il aurait manqué quelque chose dans la boîte ou non, en fait, vous pensez que c'était suffisant, c'est à vous de me le dire, dites-moi-le dans les commentaires, c'est ce que j'attends de vous, surtout si vous voulez vous inscrire au giveaway. Donc, c'est vraiment de vous souscrire à la chaîne, de liker la vidéo et de le commenter, à savoir quel est l'article que vous préférez. Si vous pensez qu'il manquait un article ou si, au contraire, vous dites non, c'est bien comme ça, je veux le savoir. Et aussi, sur l'événement de Romero Box Flesh Eaters, allez commenter et dire... j'ai commenté mon nom d'utilisateur sur YouTube le tel, je veux être inscrit au giveaway, ainsi on pourra commencer à compter les inscriptions. Il y aura d'autres vidéos entre celui-ci et la Legion of Collectors. On va essayer de rattraper notre retard. Et lorsque la Legend of Collectors sera reçue, ben on va essayer d'être à jour et on postera ça. À ce moment-là, ben les inscriptions seront finies et on pourra commencer à accumuler des entrées additionnelles pour le giveaway. Je vous rappelle qu'après la réception de la Legend of Collectors, c'est à peu près une semaine, 7 jours que je donnerai pour accumuler des inscriptions. Donc, j'attends votre commentaire et je vous dis à bientôt sur la Romero Box, le groupe Romero Box sur Facebook. Et je vous dis encore merci d'avoir regardé. Ah, voilà.